Vendredi 13 septembre 2024, là, la police nationale d'Haïti décide de mettre en isolement ancien responsable de juridiction d'Ablala, commissaire principal de Benson Gauthier. Décision ça a venu tout de suite après une plainte qui était gagnée contre le commissaire dans sa qui est brouillée avec une exécution sommaire qui était faite dans le commencement du mois septembre 2024, là, tout près de l'hôpital Petit Frère et Sœur qui trouvait dans la commune Tabar. Eh bien, et par rapport avec plainte qui était déposée, dans le moment d'exécution à cette là, le commissaire a été fait accompagner de puis trois autres individus parmi eux, un inspecteur, et puis tout, deux autres civils qui sont ensemble avec lui. Et tous les trois mouns à eux, ils ont gagné un maillot noir sous eux, et ils étaient à bord, un pick-up, qui c'est le pick-up de service commissaire Gauthier, qui c'est un pick-up de couleur vert pour France, qui était pour écrit la police nationale d'Haïti sous lui, et qui s'est marqué en jaune, et machine ça, c'est machine, c'est que Gauthier, et j'aime de là qu'il a gagné trois mouns ensemble avec lui. Et selon témoignage en plus le monde, dans le cadre d'enquête qui a fait là, eh bien, il y a indexé le commissaire là, et des mouns qui fait connaître le commissaire qui l'a même dans le moment d'exécution. Était à fait là. Pour le moment, il y a une enquête qui ouvre, le commissaire Gauthier avec trois autres monde qui sont ensemble avec lui, trouvé dans le CPJ, dans le cadre d'enquête qui a mené pour faire lumière sur sa passé. Nous croyons que la police nationale d'Haïti n'a jamais été bois croisé devant des actes qui a passé, devant des bagailles, et qui a fait encore plus qu'il n'y a pas toléré ensemble de policiers agir. Et n'importe qui gens, parce que la police a un ensemble de règlements disciplinaires qui traitent le comportement policier. Et donc, nous sommes capables de constater tout. Et pendant les derniers mois qui sont passés là, déjà il y a une dizaine de policiers qui ont une arrestation. Selon information qui a gagné de rapport avec des groupes armés. Pour le moment, les policiers s'en rapprochent une question pour regarder est-ce que ils sont impliqués par rapport avec l'arrestation que vous faites. Et l'administration directeur général Ramoa, ou depuis les Vinnards, pour l'ensemble du travail qu'a fait en dedans la police nationale d'Haïti, c'est un travail qui a continué. Donc, quel que soit le grade où il y a une institution, depuis qu'il y a une évidence, depuis qu'il y a un rapport, il y a une plainte qui est déposée dans tout, l'institution en mesure pour être capable de convoquer ou venir répondre à une question par rapport avec ça que vous avez arrivé pour cela. Mais il y a même la population dans le tabac qui a même manifesté tout contre la décision ça. Nous croyons que la police a fait travail, c'est pour nous quitter que la police a fait travail. Déjà que moi, dit là, nous sommes dit là, c'est que quel que soit gradué en dans l'institution, il est capable de convoquer à n'importe moment selon ça qui lui est reproché là.